Coucou les coucous! De retour à The Last Day of June. Là, on essaie de prévoir la mort de quelqu'un. Est-ce qu'il y a vraiment trois comme lui? Ok, là j'imagine que... Je vais vouloir avoir l'attention du chien pour être capable de faire ce que je veux, mais je pourrais pas. Fait qu'il va falloir que je remette le kid sur le... pas le parapluie. Cerf-volant. Hey, c'est dur comme mot pour moi ça ce soir. Pour être capable d'utiliser le chien. Ouais. Ouais, fait que si je pèse là-dessus. Est-ce que je peux? Non. Bang! Toute la rue. Et voilà, il est trop tard. Là-bas. C'est quoi ce bec là, même? Ping, ping, ping. Mais là, je pourrais pas faire le cerf-volant avec le kid. Parce que ça va être la femme qui va avoir la corde. Je prévois ici. Là. J'essaie juste de voir à l'avance ce qui se passe. Rewind. Midi. On retourne en arrière et on réessaye autre chose. Wouf. Elle n'a pas la corde. Neuf sur 10. Memories. Alright, j'ai toutes les memories du kid. Bon, t'as savon, casser la fenêtre, l'ami qui part. Grand-père cerf-volant. Huh?
Je peux pas rentrer. Je pense pas qu'il y a quelque chose ici. Mémoire de madame. The day, non. Hop. Donc, toi cerf-volant, puis elle a encore sa corde. C'est la multiplication des cordes. Je ne veux pas donner la corde. Désolé. Ça altère cette fin-là. Puis... Elle n'a pas ses choses, m'en perd tout. Donc, il a pas mis pied sur le bord parce que vu que madame perdait tout. Donc, il a juste arrêté de faire ce qu'il voulait faire. Donc, les roches n'ont pas tombé à cause de ça. Grumpy, grumpy, rar, rar, rar. Puppy là. Non, je veux pas shot. Le pooch. Ok, il chasse ailleurs? Non, pas vraiment. D'ici. Ok, ça ouvre.
besoin du kid. Ça, je peux rien faire. Ça, c'est de l'autre bord, pis c'est qui? C'est madame. Mais je peux... Ok, on va voir que je fasse ouvrir la porte pour le kid. Est-ce que toi, tu peux pas passer? C'est quoi cette peinture-là? C'est bon, j'ai compris. Ah, pendant que je suis là. On va retourner voir Pépé Piquedo. Fait que je suis pas sûr c'est qui les parents du kid. C'est pas la femme. Il devrait pas être la femme. Parce qu'elle a juste l'air de se pousser. Fait que je pense que la relation entre Monsieur Fusil pis elle, c'est juste que lui il flirte avec elle et elle doesn't give a dang. J'ai beaucoup de choses à faire avec le kid. Qui va me loquer pour la madame. Ok, toi t'as l'air à juste te promener en rond. Bang! Ouf! Je t'avais pas vu toi non plus. Quelqu'un qui va vouloir revenir jusqu'ici. Bang! Fait que oui, vu que j'avais entendu parler qui disait que les contrôles étaient bizarres, les contrôles sont... corrects. C'est pas... ils sont simples, mais ils sont pas... j'ai pas de problème à jouer, là. Finiting les crashs. Les soft freeze que j'ai vu, c'était pire, hein, mais... Ah!
juste que j'identifie comment il faut, comment est-ce qu'il faut que je fasse ça. Shbang! Good. Est-ce que je peux ouvrir toi maintenant? Non. Allez, bouge. Good. Hey, une deuxième corde. C'est pas ce que je voulais faire. Du moins, je voulais pas un point of no return. Hey, Pooch. Fac. Avec tout ça, je vais pouvoir avoir une deuxième corde. Je suis pas content, je suis pas content. Oh, mais ce chien est ici! Ok, oui, mais il y a encore... elle qui a son problème. Ah, j'ai plus besoin de pèser sur le bouton pour déclencher la cotine, ce coup-ci. C'est le fun, ça m'enlève de la culpabilité. Je pense que je vais le refaire. Parce que je voudrais... je voudrais voir c'est quoi d'autre qui me manque. Surtout que j'ai l'impression d'avoir trouvé le quote passage secret qui m'amène dans quelque part d'autre. Donc là j'ai le chien tout de suite. Allez, papy. Good. Hey, c'est le fun, ça. Ça va m'éviter du trouble. Okay. Okay, lui a rien à cirer de la corde. Ok. Alright! On va regarder ça. On va recommencer la prochaine fois avec encore une fois l'accident. Et on va essayer avec. C'est quoi? C'est la femme que je veux? Ouais. Alors, au revoir. Et à bientôt.